Elle portait le dossier 696, Héloïse Malbassari. Héloïse, tu peux monter sur le podium juste derrière toi, voilà. Héloïse Malbassari, troisième. La deuxième, il s'agit de Léa Fès du Racing Club Côte-Béquet. Léa, tu peux monter sur le podium. Voilà, le papa, il est tout content. Hassan, bonjour. Et la première victoire donc, de la journée, mais pour la première victoire pour eux, Awa Diaye de l'ASPTT Rouen. Awa Diaye. Voici donc le premier podium de la journée, récompensé voilà, par son camarade de club, Jean-Yves Hurtement. Voilà le podium de la journée, le premier Awa Diaye. Awa Diaye va y arriver de l'ASPTT Rouen. Et deuxième, Léa Fès, Racing Club Côte-Béquet. Et troisième, Héloïse Malbassari de Gervasselle. Bravo, mademoiselle. On vous souhaite une bonne carrière dans le monde de la course à pied. On se retrouvera dans les mois précédents. Donc, Awa Diaye, et non, mais j'allais manger. Et le monsieur l'avait l'air. Awa, elle avait gagné cette année à Louvier et à Évreux. Hein. Donc, on espère que ça va donner le temps pour la famille. Hein. Et puis, on verra beaucoup de représentants de la famille Diaye sur le podium cet après-midi. Donc, maintenant, place aux écoles d'athlétisme garçons.
Là, c'est ma sœur qui va courir avec le Raman Ndiaye. Elle va faire le saut de haie. Là, ma sœur, elle a couru et elle arrive première. C'est de elle. Bravo, grande sœur. La Rama, elle a réussi. Là, à chaque fois, Rama, là, il est qualifié. Parce qu'à chaque fois qu'il monte, il monte, il monte, ça devient de plus en plus dur pour elle. Et là, Rama, elle a réussi, elle vient de passer. Et là, elle a réussi. Championne départementale à Barentin, voilà, Ajiraman Ndiaye. S'il vous plaît. Le Coralie Gastama. Voilà, donc présentation du podium des Benjamines. La troisième, elle était deuxième lors des départementaux de Seine-Maritime à Barentin et de la Sport Autonome du Havre. Il s'agit de Cyrine Boulabas. Voilà, Cyrine, tu peux monter sur la troisième marche. La deuxième, eh ben, elle a la même place que lors des championnats départementaux, mais là on est aux régionaux. Elle avait été battue de peu sur le parcours d'Harcourt. Elle est de l'Evreux-AC. Il s'agit de Coralie Gassama. Et la première habituée également des podiums, c'est la championne régionale Poussine l'année dernière. Elle a gagné les championnats départementaux à Barentin, donc ça c'était en Seine-Maritime. Elle est de la SVTT Rouen, il s'agit de Ajiraman Ndiaye. Et oui, tout le fan club est là, et quand les Ndiaye sont là, ça fait du bruit effectivement. Voilà, bravo Ajirama, à Cyrine et à Coralie qui composent donc ce podium des Benjamines.
Ok, c'est bien. Bravo, boy. C'est nice, bien joué.